Salut tout le monde, c'est Eldezo et on se retrouve aujourd'hui pour le let's play numéro 9 sur Minecraft. J'ai eu un petit souci, donc je suis pas avec Mifa24. On a fait le let's play ensemble mais mon logiciel Fraps a bugué, ou du moins j'ai dû faire une connerie et du coup j'ai pas enregistré la partie. Je vais vous la faire en solo du coup, et je vais vous proposer dans la description d'aller voir de son point de vue le let's play que l'on a fait ensemble, celui-ci. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a d'abord fait la quête où il fallait faire une espèce de crocodile, une statue de crocodile sur une montagne. Donc je me suis mis en game mode hein, pour vous montrer vite fait. Donc c'est tout là-bas. Attends, les nuages du coup on va pas voir. Ah mais c'est peut-être un peu en dessous. Non, c'est là. Et on s'est tapé un trip parce que franchement, un crocodile. Comment on voulait faire un crocodile sur Minecraft? Non mais quoi? On s'en a fait une bite nous. Voilà, le truc trop débile, si vous voulez voir l'action, il y a juste à aller le voir sur la chaîne de Mifa, je vous mets le lien de toute façon. Et on avait une deuxième quête, du coup, parce que celle-là on l'a faite vraiment rapidement, où il fallait, il fallait tout simplement aller retrouver la mine abandonnée. Alors là par contre, je vous assure, on a mis au moins une heure, on a mis... beaucoup de temps à essayer de trouver cette mine. On n'y arrivait pas. J'ai cherché un peu partout, je m'étais mis en game mode, survolé toute la map pour essayer de trouver un petit trou où on pouvait y trouver une caverne justement, mais au final on n'a rien trouvé du tout. Donc on allait voir sur des solutions et tout, et apparemment il fallait tout simplement creuser entre les deux palmiers qui se trouvaient là, enfin les trois, il fallait creuser pile poil devant ce palmier ci donc c'est ce que j'ai fait. Je vais aller vous montrer vite fait, bien fait. Voilà, alors on était allé... j'avais creusé ici. Je m'étais mis en game mode pour que ça aille un peu plus vite d'ailleurs, parce qu'on n'avait pas vraiment le temps. Mifa, il devait se casser quelque part juste après. Du coup, on était un peu dans le caca. Pas moyen d'aller plus vite là. Voilà. Donc on avait creusé comme des malades jusqu'à ce qu'on trouve la mine abandonnée. Donc voilà, j'avais tourné à gauche. Et là d'ailleurs, arrivé ici, j'étais là, putain, mais je suis plus devant le palmier, je vais tourner un peu à droite, tu vois. Et du coup, j'ai tourné à droite et là, j'ai vu ce petit trou, j'étais là, oh oui, heureusement que j'ai tourné. Pile poil au moment où j'ai tourné, ben, on a trouvé la grotte en question. On était juste là, et d'ailleurs, à partir d'ici, on a eu un petit fail que je vais, moi, vous mettre dans les vidéos et que vous ne retrouverez pas dans celle de Mifa, qui est franchement... plutôt marrante à cause de ces creepers à la con. Bon, je vous passe les détails, hein, vous savez déjà ce qui a dû se passer. C'est vrai que je suis en... Oh merde, je suis en train de tout casser. Ah mais il pète quand on... Je pensais pas qu'il pétait quand on était en game mode. Bref, de toute façon, on l'a déjà faite, la mine. Donc voilà, en gros, on a trouvé cette jolie petite mine dans laquelle il y a pas mal d'or, de lapis lazula. D'ailleurs, j'appelle ça de lapis, moi. Hop. Et il y avait aussi un peu d'émeraude. On y a trouvé un coffre et un chariot, qui ont d'ailleurs explosé. Vous allez voir ça dans le fail, c'était franchement plutôt drôle. Donc voilà, moi je vous invite à aller voir la vidéo de Mifa. Comme ça vous verrez de son point de vue ce que ça fait. Vous verrez aussi sa chaîne. Et ça lui fera, je pense, plaisir d'avoir quelques vues en plus. Donc attendez, je vais juste vous montrer. Donc voilà, au niveau de la map, j'avais fait un trou ici pour voir où c'est qu'on sortait de la map. Je vais vous montrer ce que vous verrez pas justement dans la vidéo de Mifa. Donc voilà. On atterrissait juste là. Et là, en fait, dans la vidéo, vous allez d'ailleurs l'entendre, j'avais... c'était genre en cherchant quand j'étais... quand on n'avait pas encore la solution ni rien, j'avais creusé juste là, là. J'étais venu ici, vous voyez, là vous voyez bien que ça avait déjà été creusé. En fait, moi, j'ai juste creusé en hauteur, là. Et si j'avais creusé vers le bas ici, j'aurais pu trouver la mine abandonnée. Du coup, on était un peu dégoûté, quoi. Et donc, voilà, la mine, en fait, c'est franchement complètement... on la trouve au pif, en fait. Si on cherche... Franchement, si on cherche pas les solutions, c'est vraiment au pif qu'on la trouve, parce que... c'est impossible de la trouver... juste comme ça, ou sinon il faut vraiment y passer mais une journée entière voire plus.
Et donc voilà, bon ben moi je vais vous laisser sur ça, je vous ai juste parlé un peu de ce qu'on avait trouvé nous. Putain merde, les toiles d'araignée vont me coincer. Là, je vais m'en remettre normal. Et donc voilà, je vais vous laisser sur ça, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'oubliez surtout pas d'aller voir le let's play sur la chaîne de Mifa que je vous mettrai dans la description. Elle sortira peut-être un peu plus tard que ma vidéo, donc revenez voir, si vous voyez qu'elle n'est pas dans la description, revenez voir cette vidéo juste pour aller dans la description et y retrouver le lien pour aller justement voir le let's play numéro 9 où l'on a fait cette putain de bite géante ainsi que la découverte de la mine abandonnée sur la map Crusoe. Et donc cette fois-ci je vous laisse vraiment, donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, likez la vidéo si vous l'avez aimé et ciao tout le monde. Allez, vas-y. Voilà, c'est bon. Vas-y. Alors là, ce qu'on va faire, on va le faire vraiment... Merde! Non! J'en ai ras le cul de ce trou de... Merde. Ah, il fait. Merde. Je vais revenir un peu sur la droite parce qu'on y est... Ah! Trouvé. Trouvé? Ah non, c'est celle que... Je sais pas, en fait. Normalement, tu verras des barrières, des trucs comme ça. Une grotte abandonnée, tu vois des rails, des barrières... Il y a un trou comme ça dans... Ah ici il y a quelque chose. Ah trouvé. C'est bon. Vas-y, on repasse en game mode. Avant de creuser le dernier truc, on va passer en... Oh, il a pété le chariot. Ah non, c'est bon. Oh, il m'a fait trop peur. Attends, attends. Vas-y, j'enlève tout. Attends, attends. Ah, casse-toi, casse-toi, casse-toi. Ah, là, il a vraiment pété le coffre.